Il y a eu une série d'explosions mystérieuses dans cette région entre la Moldavie et l'ouest de l'Ukraine. Au cours de ces derniers jours, on a assisté à une série d'explosions. Une des explosions a visé une tour de radio, une autre a ciblé un bâtiment de la sécurité d'État et encore une autre, une unité militaire. La raison pour laquelle cela est très inquiétant est qu'à présent, l'Ukraine est déjà engagée dans un conflit dans sa partie orientale contre la Russie. Ce qu'elle redoute et ce qui commence à inquiéter la Moldavie, c'est que cela pourrait ouvrir un nouveau front dans l'ouest de l'Ukraine. Nous avons vu d'ores et déjà la Russie cibler un pont en périphérie d'Odessa. Ce pont se trouve à environ 50 km de cette région séparatiste et la raison pour laquelle ceci inquiète les Ukrainiens, c'est que si ce pont était mis hors d'état, la circulation de leur personnel, de leur artillerie et de leurs véhicules armés dans cette région serait rendue plus difficile. Pour le moment, rien ne s'est passé, mais les forces ukrainiennes et les Moldaves sont vigilants que rien ne se passe, car s'il y avait un conflit là-bas, cela pourrait ouvrir un deuxième front dans la guerre en cours.